Wake up in the morning like what's up. Salut tout le monde, c'est Corfut et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un youtubeur. Cette vidéo ce sera avec Robert87000. Alors si vous ne connaissez pas Robert87000, je vous invite à aller directement dans la description, il y aura le lien de sa chaîne. Vous pouvez checker ses vidéos et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Il fait de l'achat-revente, des vidéos pack opening, etc. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment pas mal. Cette vidéo ce sera un nouveau concept de rap puisqu'il s'agit de Évite la bombe. J'expliquerai plus tard en quoi consiste le concept. Alors je voulais faire juste une petite dédicace à mon graphiste donc qui a fait la miniature. Vous retrouverez le lien de son Twitter dans la description, mais aussi le lien de sa chaîne YouTube. Donc merci à lui, n'hésitez pas à aller checker, et si ça vous intéresse, à commander des miniatures ou autres. Alors pour cette vidéo les gars, j'espère vraiment qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à mettre un like. Si on peut atteindre les 275 likes sur cette vidéo, ce serait vraiment un truc de dingue. Alors en tout cas, bonne vidéo à vous et c'est parti. Donc on se retrouve avec Icor Foot, ça va? Ouais, ça va tranquille et toi? Nickel, nickel, nickel. Donc là je vous laisse Icor Foot qui va vous expliquer le concept. Donc bah, vas-y, explique-nous comment on va faire, que je comprenne bien moi aussi hein, déjà. Le concept est très simple. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai mon portable et il y a 5 tickets. Parmi ces tickets, il y a une bombe qu'il va falloir éviter, comme le nom du concept l'indique. Celui qui a eu la bombe devra prendre donc le pire joueur, et celui n'a pas eu la bombe, prendra le joueur de son choix. Donc, chose particulière qu'il ne vous a pas encore expliqué, c'est que celui qui va perdre va offrir des crédits à l'abonné de l'autre. Mais à l'abonné, pas seulement à ses abonnés et à l'abonné de l'autre, mais à tout le monde. On vous mettra un lien Twitter dans la description et il suffira juste de le partager pour pouvoir avoir une chance de gagner 100 000 crédits. Et ça sera, si je perds, moi qui offrirai les crédits à l'un d'entre vous. Et si c'est Icor Fou qui perd, ça sera lui qui offrira les 100 000 crédits. Donc, on va prendre le 5-2-2. 1, comme ça on a exactement le même. Donc voilà, donc c'est moi qui vais commencer Robert, c'est bien ça? Ouais c'est toi, vas-y, allez je te laisse commencer. Vas-y, j'espère que tu vas avoir aucune chance hein, parce qu'on est quand même pas très fair play non plus. Ah, ouais. Allez vas-y commence. Alors je vais prendre le ticket numéro 2. Ah c'est bon, yes. Y'a rien eu parce que là j'ai du lourd. Moi j'ai pas envie d'avoir la bombe hein, je te le dis. Je vais prendre le 4. Non, il n'y a pas la bombe, il n'y a pas la bombe. Ah, oh là 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 là. C'est chaud. Vu que je ne vois pas et que je n'ai pas devant moi l'application. Oui, voilà, c'est moi qui ai l'application. C'est moi qui ai l'application. En gros, il va me faire croire à chaque fois. Ouais, moi, voilà. Mon pauvre petit cœur. Faut quand même pas oublier que j'ai 33 ans et que mon cœur il est capable de lâcher à n'importe quel moment. Ça serait quand même dommage pour une vidéo de FIFA quand même. Mais bon, on va voir. Bon, vas-y, tombe sur la bombe que je gagne. Alors, je vais prendre le numéro 1. Ah, yes, il n'y a pas la bombe, il n'y a pas la bombe. C'est à toi. Il en reste deux. Donc, c'est entre 2 et 5, on est d'accord? Le 3 et le 5. Ah, t'as dit le 2 le premier? Ouais. Je vais dire le 5, allez. Le 5, attention. Oh, t'as gagné, non. Donc le 3ème c'est la bombe, donc c'est à moi de choisir. Et voilà, donc je prends la bombe. Et donc, voilà, je vais devoir prendre le pire joueur. Et tu prends? Je vais prendre Quadrado. Et moi, ça devait prendre Messi 96. Ah, non. Voilà, on commence bien, on commence. Je dis le 1. Moi, je suis 1. Je suis sobre. Ouh, y'a rien, c'est bon. Y'a rien, on est bien. À moi, bien, je vais prendre numéro 4, y'a rien non plus. Le 3. Y'a rien non plus, où c'est à moi? Le 5. Ouh yes! Y'a rien non plus. Toujours pas mal. Donc là il faut que je te batte en gros. Donc je vais partir avec le numéro 4 et il n'y a rien. À toi. Le 3 encore. Le 3. Ouh la bombe! Yes! Tu dois prendre le pire joueur. Putain. Ben voilà, le pire joueur c'est Castadelo qui se vend même pas sur le marché. Alors, moi c'est dommage là. C'est dommage parce que j'ai des joueurs genre je m'en fous quoi, il y en a aucun qui m'intéresse. Donc là c'est à moi et je dis le 5. Le 5, y'a rien. Ah, je vais dire le numéro 3, y'a rien, à toi. Attention. Le 4. Le 4, ouh y'a rien, c'est à moi. Attention, il reste plus que 2, il reste le 1 et le 2. Allez, prends le 2. Je vais dire le 2. Ah non, mais non, tu me dis prends le 2 et je prends le 2 et je dois prendre le pire joueur. Tu as bien fait, tu as bien fait. Et mais moi je vais prendre Skirtel à 82, ok. Ouh, y'a du lourd, y'a du lourd. Pas moi, donc je vais tout faire pour faire perdre quand même. Je dis le 1. Le 1. Oh, le 1, y a rien. À moi, je vais dire le 3. Non, la bombe. Non. Oui, voilà, ça c'est bien. Non, je rate Marcelo Totti. Alors là, il y a quelques joueurs qui m'intéresseraient, je vais pas te mentir. Alors, je vais partir avec le numéro 4, y a rien. À toi. Le 5. Boum. Yes. Je peux choisir qui je veux. Merde. Moi, ça sera Maggio. À 76 seulement. J'ai vraiment une équipe de peintres, hein, quand même. Hein. Je continue dans les drafts de peintres. 96 de vitesse. Oh non mais moi j'ai des joueurs de dos. J'ai des joueurs de dos. Bon. Alors, vas-y. C'est à moi. Le 1. Le 1. Et attention, ouh y'a rien. À moi, je vais tirer le 5.
y'a rien, attention. C'est stressant. 4. Ouh, y'a rien. Il me reste le 2 et le 3. Prends le 3. Non, je prends le 2 cette fois-ci. Yes, voilà, j'ai pris le 2. Merde. On. Ellie gauche. Alors là, je compte sur un petit. Ouh. Oh, aïe. Moi aussi. Alors là, je crois que c'est là où il y a le plus d'enjeux avec le capitaine. Je dis le 1. Le 1. Où y'a rien. Où c'est chaud là, c'est chaud. Allez, il me le faut absolument. C'est le seul moment où je peux gagner. Voilà. Là, c'est là où tout joue en fait. Parce que si j'ai le pire joueur. Ah non, si j'ai le pire joueur, j'ai des pailles MOTM, donc ça va. Ouais, mais moi aussi, c'est exactement le même. Hein. Ah, ok. Donc, ouais. Mais bon, je préférerais prendre autre chose. Moi aussi. Alors, attention. Le 4. Non. Et oui. Non. Et oui, la bombe. Parce que je commence à ouvrir le truc et puis je vois que y a rien sur le ticket en fait, mais je l'ai ouvert en entier puis il y avait la bombe. Oh non. Et voilà. Et moi j'ai Ronaldo Totti. Mais du coup. Oui. Ronaldo Totti. Non. Et si. Et là d'un seul coup ma note elle a fait. Et il faut surtout pas que je perde parce que si je perds il a aucun lien. Donc il faut absolument que je gagne. C'est à toi. C'est à moi. Je vais dire le 3. C'est bon. Là, il y a de l'enjeu. Je peux te le dire. Là. Je dis le 4. Il peut pas tomber deux fois de suite. Il peut pas tomber. C'est stratégique. Oulala. Je vais dire le 1. Yes. Allez, tresse le 2 et le 5. Le 2 a rarement réussi. Donc, je vais dire le 2. Parce que moi, je suis comme ça. Non. Eh, là, c'est bon. Là, tu m'avises. Non. Eh oui. Allez, je vais être obligé de prendre mon petit Griezmann quand même à 87. Non, et le voilà, la bombe pour le 5. Et là, non. D'un seul coup, Donc là, c'est note plus collectif, hein, on additionne les deux. Ah, on additionne les deux, ah d'accord. Moi, je crois que c'était que note générale. Ah, et bon, après, le collectif, si on était à égalité. Ah ouais, non, c'est addition des deux. Hein. Non. Ah voilà, ça y est, ça commence à tricher, voilà. Ça non, 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 mais sérieusement, moi, je pensais Rock, tu pensais aussi. On va voir, vas-y, dis-moi ta note déjà, note générale. Note générale, 82. Déjà, je t'explose. T'as... 85. Ah oui, d'accord. Et collectif 71. Ah bah ouais, je suis qu'à 60, c'est dégueulasse, ouais. Monsieur l'arbitre. Ah là, j'ai gagné, là, normalement. C'est dégueulasse, monsieur l'arbitre. Non, c'est pas gagné, parce que moi, je pensais que c'était la note globale. On va pas réussir à se mettre d'accord, là. Alors, les gars, l'heure est grave. Ouais, très grave. Robert 87000, ici présent, pensait que c'était la note de général la plus importante. Moi, Igor Fut, ici présent, pensait que c'était la note plus le collectif. Personne ne peut penser ça. Ah, personne ne peut penser que c'est la note de général seulement. Bah si, bien sûr. Je pense que toutes les personnes qui ont regardé sont la note générale. Donc on n'est pas d'accord. Donc ben voilà, on va jouer on ça On va départager ça à la bombe. Ah. Moi j'avais le collectif. Hein. Mais c'est vrai. Ça, faut le rappeler. Allez. Donc, alors. Je vais partir avec le numéro 2. Attention, le numéro 2. Yes. Oh là, c'est chaud là. C'est chaud. Le 5. Le 5. Oh non, y'a pas la bombe. Allez. Oh putain, je stresse. Putain, je te jure, c'est vrai. Je vais dire une 3. Oh, y'a pas la bombe. Il reste le 1 et le 4. C'est à toi de choisir. Attention. Le 4 nous a souvent porté bonheur. On dit le 4. Attention. La fin de cette draft, la fin de cette vidéo. Tout ce qu'on a fait depuis le début va se jouer en un tirage de tickets. Putain, mais ne me laisse pas comme ça, là, je vais être quasiment bloqué à sort. Allez, le... Oui, Dieu m'a donné raison, hein. C'est ce qu'on dit en général, Dieu m'a donné raison. Donc, comme je l'ai remporté, vous avez compris, ce n'est pas moi qui vais vous offrir les 100 000 crédits, mais c'est Igor Fut qui va vous offrir. On vous met le lien dans ma vidéo, mais évidemment dans la vidéo également de Igor Fut, le lien Twitter pour pouvoir participer. Il suffit juste de évidemment retweet le lien et également vous abonner au Twitter d'Igor Fut et à mon Twitter. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'était vraiment un réel plaisir de tourner cette vidéo avec toi, Robert. Ben ça fout pareil, c'est pareil. Pareil, voilà, c'était donc, vraiment bon, sympa. Malgré la défaite, bon c'est pas grave, hein, c'est une défaite. Donc malgré la défaite, bon c'était quand même une très bonne vidéo. Donc les gars, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à exploser la barre de like et aussi à aller voir la chaîne de Robert87000, il fait des vidéos acharnantes et tout, donc vous allez voir, vous allez kiffer. C'était Igor Fut avec Robert et on vous dit à plus les gars.